très bien. Ça va être, c'est sûr que il y a eu ce match qui a été annulé. Maintenant, il faut le rejouer, mais bon, voilà. Ça reste une compétition qui est de haut niveau et on a envie de bien le préparer comme on l'a fait la semaine où on devait jouer les Landes. Mais bon, voilà, on a ce match de l'Écosse en plus dans nos pattes. On sait ce qu'on peut faire, tout ce qu'on doit travailler. Et puis voilà, après, on sait très bien que contre les Irlandais, ça va être très, très dur. Non, moi, je pense qu'on est assez grand, on a assez d'expérience pour savoir que ce genre de match, ça se joue dans ce secteur-là. On sait très bien que ça va être un match très dur dans le combat. Eux, ils proposent beaucoup et ils sont beaucoup dans ce secteur-là et dans le combat. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. Et voilà, donc chaque match, on sait très bien dans ces matchs-là que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Oui, c'est sûr qu'ils ont cette faculté à t'embrouiller au niveau des rucks parce qu'ils sont au plaquage, ils sont très bons. Ils essaient de nous garder debout pour récupérer les ballons en faisant un maul et récupérer une mêlée. Donc voilà, ils se mettent toujours à la limite de la faute. Et voilà, il faut être très fort sur les déblayages. Le premier qui arrive, il faudra bien être sur le ballon pour avoir de bonnes libérations pour le demi-mêlée. Donc voilà. On le sait que ça va être dur et mais bon, il faut se le mettre dans la tête pour être efficace sur le terrain. C'est sûr que après la Coupe du Monde, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de repos. Après voilà, c'est vrai que physiquement, c'est peut-être sûr qu'on a eu un petit trou d'air. Après mentalement, c'est vrai que aussi ça a été dur de s'y remettre. Maintenant voilà, je pense qu'on a eu ce premier match de l'Italie qui a été un peu moyen et le match de l'Écosse où on a su se retrouver sur les bases, et je pense que ça nous a donné la confiance pour ce match de l'Irlande. Donc il faut qu'on fasse abstraction de tout ça. Jouer en équipe de France, c'est toujours un bonheur, donc il faut qu'on profite de tout ça. Bon, ça va, oui, je récupère. Dès qu'il y a les plages qu'il faut, on se fait masser, on a la récup en piscine. Donc voilà, après, il ne faut pas non plus se plaindre de ce qu'on vit.